Coucou à tous, on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale dans le sens où j'ai voulu essayer les gaines qu'on voit un petit peu partout en publicité sur les réseaux sociaux. Donc vous savez, j'essaierai de vous inclure une image, j'espère que je ne me ferai pas allumer parce que j'ai mis l'image. Enfin, je la mettrai peut-être pas en très gros, là je la mettrai par ici. Où vous voyez ces femmes qui, une fois la gaine mise, enfin la gaine s'enfile en deux temps, trois mouvements. Elles ont une taille bien plus dessinée, ça aplatit les bourrelets qu'on peut avoir. Et je voulais essayer honnêtement parce que je trouvais que c'était génial. J'avais essayé ça déjà il y a, je sais plus, j'avais une vingtaine d'années, je crois, un truc comme ça, 22 ans. Et ça roulait, c'était pas agréable. Et l'instant qu'on le mettait, 5 minutes après, elle était arrivée à la taille. Donc en gros, le truc il servait à rien. Je me suis commandé deux gaines. Alors il faut que je vous les montre. Je vais vous les montrer. De gaines sur le site Belle Taille. Moi j'ai commandé sur ce site là, voilà, je fais un peu au pif. Et je vous montre pas tout de suite la gaine, je vais la montrer après. Et quand je l'ai reçue, j'ai voulu faire comme sur la vidéo. C'est-à-dire je l'ai prise et hop, j'ai tiré pour la monter. Ben faut pas faire ça. Alors faut pas faire ça. Je vais vous montrer après pourquoi. J'en ai pris de deux couleurs. J'en ai pris une noire et une beige. Et alors je vais vous montrer. Donc la beige, puisque elle est intacte, donc elle se présente comme ça. Alors comme dit, c'est un tulle amour, parce que c'est vrai que on peut pas dire que ce soit beau quand on la porte. Hein. Faut dire ce qui est. C'est loin d'être glamour comme de la belle lingerie. Là c'est pas le cas du tout. Je vous le montre sur le beige parce que je trouve qu'on voit mieux sur le beige. À l'arrière, vous avez le gainage des fesses. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que finalement ça vous remonte vos fesses. Donc c'est assez sympa. Et vous avez quatre baleines. Deux derrière et deux devant qui sont bien cousus à l'intérieur du tissu et qui se tiennent. Ce qui fait que la gaine ne roule pas une fois que vous l'avez mise. Elle ne bouge pas, elle est bien en place. Il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas tout ça dans celui-là. C'est juste uniquement les baleines et à mon avis la fermeté du tissu qui fait que ça vous... Alors moi ça m'a permis de moins peiner à fermer mon pantalon. Voilà, pour être honnête avec vous, je trouvais que mes fesses étaient un petit peu plus jolies. Enfin voilà, je trouvais que c'était un peu plus sympa. Ça marche par contre, comme dit Titi, c'était un amour. Parce que ça, avant d'aller vous coucher, c'est pas beau. Hein. Faut l'enlever surtout, puis faut mettre autre chose. Hein. C'est super épais, c'est très chaud, c'est très costaud. Mais, comme je vous disais, avec la noire, c'est celle que j'ai essayée en premier. J'ai voulu la mettre comme à la télé, enfin comme on voit dans les vidéos, et elle s'en est mal remise, parce que j'ai tiré, parce que si vous voulez, ça sert super fort, hein, parce que la première fois que j'en ai mis une, je me sentais vraiment oppressée, donc si vous avez cette sensation-là, c'est une sensation qui peut vous déplaire si vous voulez utiliser ce genre de produit, enfin au moins ceux-là que j'ai utilisé moi, je n'ai pas utilisé celle de d'autres marques. Donc la noire exactement la même que la beige, j'ai pas de problème avec les baleines, avec tout ça. Et donc j'enfile la gaine, donc je passe les jambes. Donc ça sert un petit peu au niveau des cuisses quand même, je trouve. Enfin, plus la noire que la beige, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et je tire, et là ça fait cric. Et là ça fait cric, voilà. Je sais pas si vous allez voir, elle a craqué là. Et pareil de l'autre côté, voilà. Là il y a un petit trou, donc je vais la recoudre. Hein. Je pense que je vais réussir à faire tenir la matière. De façon à ce que ça tienne. Mais ne faites pas comme dans les vidéos, parce que vous allez avoir un souci. En plus, le fait d'avoir tiré en bas, donc non seulement ça a lâché en bas, mais en plus ça a lâché au niveau des coutures des baleines, ce qui fait qu'il a fallu que je les recoude, parce que les armatures c'est du métal. Hein. Les baleines sont en métal, et là d'ailleurs faut que je refasse des... J'ai recousu, mais ça se barre. Ça a pété aussi deux emplacements de baleines, ce qui fait que c'était horrible. Ne faites pas comme sur les vidéos pour pouvoir les enfiler. Prenez bien votre temps pour l'enfiler la première fois, surtout le temps qu'elle se fasse un petit peu à vous. Sinon, c'est un produit, c'est assez sympa. C'est vrai que ça vous permet de supprimer, on va dire, les gros bourrelets que vous pourriez avoir. Moi, j'ai des bourrelets sur les côtés. Hein. C'est comme ça. Et c'est vrai que ça permet de les supprimer quand même. Et c'est assez... c'est bien pour ça. Si vous voulez avoir une tenue à peu près du corps, c'est bien. Par contre, faites gaffe parce que je trouve que les baleines se voient quand même. Donc, si vous avez vraiment un vêtement très, très, très près du corps, on va voir que vous avez quelque chose en dessous. Donc, je vous conseille de remettre soit un petit polo à toute bretelle fine ou un truc comme ça pour pas que ça se voit. Sinon c'est un beau produit, mais c'est un tue-l'amour et faites gaffe quand vous l'enfilez pour pas avoir de soucis. Une revue ultra courte que je voulais vous faire sur
sur ce produit. Ça marche, mais c'est pas beau, faut dire ce qui est. C'est pas esthétique, c'est pas joli. Moi, mon mari, il a horreur de ça, il aime pas. Et à enfiler avec douceur pour éviter que tout pète. Donc voilà, ça marche. Si vous vraiment voulez essayer, vous pouvez. Moi, j'ai ceux de la marque Belta, ils sont très bien. Mais ça, faites gaffe, hein, ça oppresse quand même au niveau de la taille. Ça, vraiment, ça vous sert. Hein, ça, c'est comme si vous aviez un corset en fait. C'est équivalent à ça. Pour cette vidéo sur les gaines, je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien surtout. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!